Nzambe na mawa, nzambe na bolingo, toye na pokwa mwalelo epai na yo. Mokota koki na kati na biso, yozali mbalamisa tumo santo, pe basera fe na miso no baza kobomba bilongi. Hey Yahweh, biso banani, soki toye, ezapo yo biangi biso toya, soki toye na pokwa mwalelo, ezali po ete makila na mwana na mpate sopanaki. Yo sombaki moko na biso. Ofuti nyongo ya masumu na biso. Pe mokolo wana na calvaire nyoso ekokisamaki. Yango esengo ya mitema na biso na poko ya malelo. Toyebi ete toyepa ya papa na biso. Toyebi ete toyepa ya mobali na biso. Yango tolobi tolingi yo. Uta mitema na biso, yango toyembi na nzembo, tolingi yo. Bolingo na biso epa na yo, ezapo na mbongo te, ezapo na bozwi te, ezapo na oya mokilio te. Toza koyoka ngo uta mitema na biso, eloko moko, ezako sala ete tolinga yo. O nzambe, soki mokile kolunge benda biso, na mwatango moke, na tango elandi, o nzambe, posa na biso ezali, tozala na communion na yo. Posa na biso ezali, tosepelisa yo. Yango na poko mwalelo nzambe, tosengeli sungolo na yo. Nesiko ezali sika yo obongisaka biso. Sikate mokolo mwalelo tata, obongisa lisusu biso. Pona, oyo toza kozela promesse monene, ya kozonga na yo na mampate. E nzambe, moko na kati na biso, azangate. Lisusu nzambe, na mokolo mwalelo, tozana bosenga na ngolo na yo. Tozana bosenga ya mapamboli na yo. Na mokolo mwalelo ekita tata lokola mbula. Tozana bosenga ya vague ya puissance a Saint-Esprit na yo. Ekwa kozinga moko na moko na biso. Tozana bosenga ya ba vertu na yo. E nkolo, ba vertu etali guérison. Ba vertu etali bénédiction. Ba vertu etali grâce. Ba vertu etali kotambola na yo. Ba vertu etali kopesa manamolimo santo. Kotonda manamolimo santo. Ba vertu etali yoko ya kosala na kati na lingoma na yo. Ba vertu etali nyose koiko bongisa. Moko na moko na biso. Pwa kwa tendre statue de l'homme parfait. O nzambe. Sika tozo angolo na miso na yo na mokolo mwalelo. Tozana manso. Tozana ebele toko yoko bonde lao Seigneur. Bongo olendi samitema na biso. Bongi sabiso po natina na adoration. Bongi sabiso po natina lilobo eko kita nzambe. O dispose mitema na biso. Eloko moko te distraire biso. Hey Yahweh. Toza la connecte na yo. Nzambe na lola. Pambola bandeko bazana nzira bazako ya. Sunga moko na biso. Pambola pasteur na biso. O utilize lokola instrument. Po utilize moko na biso lokola instrument. Toti koyanga no di debut a la fin na maboko na yo. Kombo na yo mosantu ekumama, kombo na yo mosantu esanjolama, kombo na yo mosantu enetolama, kati na koyanga na ya baponami. Tondi mete yo kosala ango tata, poto bonde lyo boye, na kombo na kole su Kristo. Amen. 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 Toko yemba nzembo, ozali kati na mwasi na libala na Yesu, pesi marango tokoyemba na mobembo banga te. Na mwa se na le bala na Yesu, eko zala po na Yesu moto mokolo ya somo. Se lambana eko zala pembe tangwa kosonga, tangwe koki bele mapote la mokolo ako ya. Hallelujah, oh,
Yesu mokonje na yo, aja
La famille Willy Kalambay demande la prière pour leur petit frère Deka Kayembe. Il fait l'hémorragie digestive dont les médecins de ce monde n'ont pas encore trouvé la cause. Mais cette famille croit que si vous la soutenez en prière, notre Dieu omnipotent peut chasser ces démons-là et lui donner la guérison divine. Seigneur Jésus, je vous invite à vous lever. S'il y a des frères qui ont des requêtes ou des sœurs, veuillez tout simplement lever votre main. Le Seigneur est vivant. Ne crains pas la tempête. Ne crains pas la tempête. Reste tranquille. La paix viendra. Tête, regarde à Jésus, il pourvoira. Qu'importe l'adversaire, reste tranquille, il est vaincu. Sang de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Oh non, oui, sang de Jésus, l'ennemi
Bandeko ebele mibali basi batomboli maboko. Tobondela. Nzambe na bolingo, nzambe na bomoi. Toyembi awa ke tobangelo kote po ete yo dali liboso na biso. Avali kambo ye ya yondo permettre yango. Tango mosu tolala ki pongi todali kokanisa epai na ba magicien to epai na banganga me yo opesi likambo oyo na banganga na minganga bakokate po ete biso to tourner regard epai na yo. Merci pe merci parce que na 1933 moko na biso te abotamaki me todalaki na ekonomi na yo e lokolo ezalaki message na ntango na biso todalaki na auditoire invisible kuna moto ataki kobangisa moninga te. Oh merci mokonzi e ntango muumbu na azali kobatisa moto azomi na nsambo mongongo ebimaki ndenge natindaki Jean-Baptiste avec un message po apreparé koya na ngamba la liboso natindi yo Branham avec un message po ete preparé mwasi na ngai na libala e soko memi et te ba croire yo Branham na prière na yo même cancer et koki kote la mater. Oh Nzambe cancer et ses baby parce que oh ya pesa ki promesse azali juste Branham azalite mais li kondi na moto ezali na kati na épouse Branham azalite anjo ayaki na message azali na biso elongo. Oh yo ki kolo to sangani lokola moto moko po ya ko reclamer ndeko na biso oyo satana akangi otage kuna na hôpital minganga basuki me esika minganga basuki docteur Jeji akofreye nzela. Oh merci Seji nazali kotele me la cancer ya intestin oyo uti kosifre ngai ezali yango e cancer ekotela mate esika mwana na yo azali loboko na yo ezala mokuse te asenti la sainte présence e azala geri complètement na nkombo na yesu kristo. Lokola ozali nzambe na likamwa minganga bakokamwa parce que ozali ndenge moko lombi lelo mpe libela na libela mingi mpe bazali awa na maboko na bango nsima na yango barekete ezali yo oyebi papa lokola liloba na yo elobi ete na ntango na mpasi tobelela yo me lokola tobondeli lokola ezali susi ya liloba na yo répondre na besoin ya moko na moko oyo ayaki maladi azala geri oyo azangaki mori mosantu azwa mori mosantu oyo azangaki esprit ya réveil ya consacration lelo lombi te abima awa abongwana bo bamonaki ye na kartier ya compromis na liloba ya nzambe. O nzambe akoma mu ya nzambe na biso e bato bakoyeba ete notre dieu e merveilleux. Merci seigneur barekete ezali différent me nkolo bandima po ete ozali deja na rendez-vous epai wapi tozali na communion yango bana bayebi ekokela biso epai na tata akokita tokobika ndenge esalemaki ntango ozalaki na nzoto moto oyo azalaki na maladi ebosolu me babokaki ye na pisini te mpo azangaki moto aboka ye mpo ya ange ayaki koningisaka mai ya besteta. O dieu otunaki obi papa likambo nini oyi kosala awa alobi ete na bitide bayaka babokaka biso na kati na liziba oyo ange alingisaka mai nesima me nazangi moto te aboka ngai. O nzambe na bamoi olobi kamata mbeto na yo tia na lipeka ale marche. O nkolo ozali nzambe na likamwa oyo ayi na probleme lobi te lelo azwa solution. O merci mokonzi totiki mpe esika na liloba ekoteyama parce que toyokaki moko ya mardi
Oh, baptême du Saint-Esprit et d'Alina moto divin pour dire que sa nature adamique et d'Alina sa portée. Mais déjà, ma moussou badalo en possession. Oh, yo, baticali, pèse bango Seigneur parce que d'Alina promesse na yo. Merci, mon compte. Tout ce qui est en ma boko na yo. N'adoration pour yakobé ma moumbo na yo. Yo moko pambola, salo yo, et ton na yo. Et en tant que connecté la bisika bien qui dit colo, ton coloba le coloba y est colli. Oh, bataki n'en tira les mouse. Et c'est en tant que coloba, mité malabisé de mêler comme mon côté. Oh Dieu, ça a quelque chose. Merci mon côté. Ce qui m'a dit, a besoin. Il y a un bon, c'est quoi? Au lobby, bon, le calibre, so, pour qu'on a l'eau, la nabo, y'a ben langue. Oh, y'a tika le copé, c'est malabisso. Pesa, bon, on a oya lingi. Parce que au dali rémunérateur na bao badali koluka yo lolo l'argent t'appartient sala ya mon père pour la église oyo et dali église élu de Dieu et bao badali mosika na biso connecté kolo bango pe ba toi réponse na ba requête la bango pour to bon dali bongo na komo na Jésus Christ. Amen. Amen. Zamba pambola. Mon bon ensemble, papa et tutu. Ah, d'accord. Na profite na toi qui na communication na frère Mbangu, na frère Lingomo, baza na Mbandaka, ba invita ki bango na convention, bongo ba pesi biso, mbote, ba bina transmettre mbote, et pa na bino, église des élus. Merci. Toko yemba nzembo yo bongo, toko kotsa na yango, mon bon ensemble, za l'un d'entre eux. Ayo moko kota na esprit. Il y a compositeur, l'un d'entre eux, Ezayo Ezangai. Ah. Oh, merci Seigneur Jésus.
dans la chambre haute, prions tous en son nom. Baptisé du Saint-Esprit et de puissance pour le service, ce qu'il a fait pour eux ces jours-là, il les fera pour vous. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Singaki pasteur a kota soki aza pre bongo biso tokokoba tokoyemba mboka pole pe kitoko ezapona ba oyo ba ponami ba oyo bazali l'un d'entre Pole pe kitoko, ejale na likolo, moko te awana mokili ya moni, kitoko yo na na moka, moka oyo kitoko, wana pate moko. Oh,
Sala Pena tete na bomo Kuna imani na bomo Ikutu Isa toko Kuna na muka Na muka uyu kina Na muka uyu basa ture Na pate imoko Wala pate yende Yende zoni Dali beba na namuka, namuka oloki, namuka oloki toko, wana pate imo, wana pate yende, yende zuri kumana, be akumi, dali beba, sema na baba siyoko, toko konga na lola. Je vous salue ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus soit béni éternellement. Nous sommes heureux de nous retrouver encore dans la maison de l'Éternel. C'est ici où nous pouvons être corrigés. Où nous pouvons connaître la volonté de Dieu. Où nous pouvons être édifiés dans notre vie spirituelle. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous aimons tous la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et qui dans nos têtes. Nous allons parler à l'auteur de la parole. Pour qu'il puisse nous révéler sa parole. Dieu notre Père Céleste, béni soit ton nom, Seigneur notre Dieu. Tu es le Dieu du ciel et de la terre. C'est toi qui nous as visités dans ces temps de la fin. Tu es le maître de toutes choses. Et tu connais chacun de nous tels que nous sommes ici, Seigneur. Tu connais nos faiblesses. Tu connais nos manquements. Tu connais notre ignorance, oh Dieu. Et nous venons à toi ce soir pour que tu puisses nous enseigner toutes choses afin qu'en sortant d'ici, que nous puissions connaître ta volonté pour nous et que nous puissions avancer, faire un pas vers toi, Seigneur. Merci, Père. Nous avons confiance en toi. Que ce que nous avons demandé, Seigneur, tu nous accorderas cela. Et tu nous accorderas même au-delà de ce que nous avons demandé. Parce que tu es Dieu qui nous connaît suffisamment.
Bénis la parole que nous allons lire, Seigneur. Ouais là, ô Dieu Tout-Puissant. Et ouais chacun de nous, Seigneur. Pour que nous puissions nous identifier à la parole. Ôte l'homme du chemin, Seigneur. Viens nous parler. Nous voulons que le même ange qui parlait à travers Marion Branham qui descende encore ici, Seigneur, pour nous répéter les choses qu'il avait dites. Afin que l'homme ne puisse pas y mettre sa pensée. Comme nous n'avons pas besoin de la pensée de l'homme, Seigneur, nous avons besoin de ta pensée à toi. Sois avec nous ce soir. Conduis-nous, Seigneur notre Dieu, du début jusqu'à la fin. Au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Hébreux chapitre 1er. Nous allons lire le 4, le premier verset. Tokotanga bitenemi ne oyaliboso. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Simana ye kolo natango kala kolo banalolenge ebele na papa na biso na nzela ya basakoli. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Nzambe natango oya suka alobele biso na nzela ya mwana. Qu'il a établi héritier de toutes choses. Mwana oyo atie ye mosangoli na biloko nyoso. Par lequel il a aussi créé le monde. Na nzela na ye pende azalisaki lisusu mokili. Et qui étant le reflet de sa gloire. Peye oyo azali etalisali na kembo na ye. Et l'empreinte de sa personne. Pe lo lenge ya bomoto na ye. Et soutena toutes choses par sa parole puissante. Pe kolendisaka makambo nyonso na maloba na ye nguya. A fait la purification des péchés. A petolaki masumu. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Pe afandi na loboko ya kembo ya nzambe na nguya na likolo kuna. Devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Que le Seigneur notre Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Et encore une fois, que le Seigneur bénisse chacun de nous. Comme je l'ai dit dans la prière, nous venons ici pour écouter notre Père. Parce que nous croyons que Dieu existe. Comme la Bible le dit, et ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. Non seulement il existe, mais il écoute. Non seulement il écoute, mais il exauce nos prières. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous parlez à Dieu et que vous avez cette assurance que Dieu a écouté, alors la chose que vous avez demandé, croyez que vous l'avez reçue. Parce que quand Dieu écoute, il est dans l'obligation, selon la Bible, de répondre à votre requête. Oh, quelle promesse glorieuse! Si aussi ce soir, vous pouvez continuer à croire que Dieu écoute, alors il exaucera votre prière. Même si vous n'ouvrez pas la bouche pour parler, vous êtes en train de murmurer dans votre cœur. Oui, Dieu, il écoutera. Alléluia. Amen. Et il vous accordera la chose que vous désirez. Nous avons parlé du feu du Saint-Esprit. N'oubliez pas ces choses. C'est Dieu qui nous donne ça.
Il veut que vous puissiez saisir et vivre la parole de Dieu chaque fois que nous l'écoutons. Sinon alors, à quoi nous servira la parole si nous ne pouvons pas la vivre? À quoi cela nous servira-t-il? Le feu divin qui accompagne le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il veut habiter dans votre cœur. Il y a un trône dans votre cœur. Il y a un trône dans le cœur de l'homme. Vous pouvez vous imaginer ça? Que dans votre cœur, il y a une chaise. Il y a une chaise sur laquelle Dieu veut s'asseoir. Oh, gloire à Jésus. Mais avant que Dieu puisse s'asseoir dans votre cœur, il est un Dieu saint. Et même trois fois saint. Oh, gloire à Jésus. Il ne peut pas aller habiter une poubelle. Non. C'est pourquoi, même si vous ne le voulez pas, lui, il va purifier son endroit où il veut aller demeurer. Alléluia! Amen. Si son temps à lui est là, que lui a arrêté avant la fondation du monde d'habiter votre cœur, que vous le vouliez ou pas, lui, il va purifier votre cœur parce qu'il veut demeurer là. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et il va purifier par le feu divin. C'est pour cela que Jean a dit que celui qui vient après moi, moi Jean, je vous baptise d'eau. Je ne fais que vous plonger dans l'eau. Mais lui, quand il viendra, il va vous baptiser d'esprit et de feu. Ce ne sont pas des mythes. C'est une réalité. Alors ce soir, nous allons parler de la purification. La purification. Nous savons que le feu nous a purifiés. Quelles sont les conséquences de la purification? Si réellement je suis purifié, qu'est-ce qui m'arrive par la suite? Comment je dois me comporter devant Dieu, moi qui suis purifié? Mais bien aimé, chaque mot de la Bible, chaque mot qui est sorti de la bouche de Dieu, a une signification réelle. Moi, je peux avoir des paroles inutiles. Toi aussi. Mais lui, tout mot qui sort de sa bouche, tout iota, est utile. C'est pourquoi ne négligeons rien de ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Même si nous ne comprenons pas ça, Dieu n'est pas inutile. Dieu est sa parole. Il est dans sa parole. Comme lui-même n'est pas inutile, toute parole de Dieu est utile. Si ce n'est pas utile pour toi ce soir, ce sera utile pour quelqu'un d'autre. Ne négligez rien et ne rejetez rien. Le dictionnaire français parle de la purification comme une action de purifier. Et purifier, c'est débarrasser des impuretés.
Débarrassé d'impureté. Komi pupola na mbindo. De souillure. Na makambo ya mabe. Morale. Oya. Par les rites religieux. Na nzela ya makambo ya losambo. Dans nos traditions. Na bokoko na biso. Africaines. Oya Africa. Nous le voyons. Toza komona yango. Quand un des conjoints meurt. Tango mozalani moko akufi. Ils ont un terme qu'ils utilisent. On va le laver. En d'autres termes, on va le purifier. C'est-à-dire que les esprits mauvais sont sur lui. Mais quand il était vivant, il n'avait pas les esprits mauvais. Il meurt. Alors les esprits mauvais vont venir sur toi. Donc on va vous purifier. Na bongo ba ko petola yo. Et ils vont faire des rites. Pe ba ko sala makambo ya losambo. Coutumier. Oya bokoko. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Na yete loni ba salaka. Mais ils font ça. Kasi ba osala yango. Et même les gens, les religieux aujourd'hui. Ata pe ba to ya losambo lelo. Ils sont entrés dans ces coutumes-là. Ils agissent exactement comme les catholiques. Exactement. Au lieu des saints ou des morts. De leurs coutumes. Ils vont prendre un mort. Chrétien, le remplacer, mais c'est la coutume. Ils vont prendre une femme, une chrétienne, on va la déiser, et on va commencer à l'adorer. Pendant que d'autres Romains, païens, ont aussi des idoles. Qu'ils adorent. Les chrétiens, avec cette idolâtrie dans leurs esprits, au lieu d'adorer les dieux païens, ils vont prendre les saints pour les adorer. Quelque chose qui n'existe pas dans la parole de Dieu. Non, c'est seulement leur coutume qu'ils veulent transférer. Dans le christianisme. Comme ça, ils croient qu'ils sont saints. Parce qu'ils adorent les saints. Non, ce sont les idolâtres. Et aujourd'hui, les chefs religieux font la même chose. Au lieu de laver les gens comme les coutumiers le font, maintenant ce sont les pasteurs qui se présentent. Votre mari est mort. Maintenant, moi, je veux vous purifier par la prière. Venez, mettez-vous à genoux ici. Il va parler, je ne sais pas quoi. Et il va enlever l'alliance. Mais vous avez enlevé l'alliance. Et qu'il rentre chez eux. Pourquoi retourner encore dans la maison du mari? Pourquoi? Qu'il aille chez ses parents. Mes frères. Pandeko. Et les gens sont liés à ça. Rupture de l'alliance. Bokabwani ya boyokani. Oui, il est écrit. Quand un des conjoints est mort, l'autre est libre. Et surtout la femme, quand son mari meurt, elle est dégagée de ces liens-là. Ce n'est pas moi le pasteur qui veut aller le délier. Mais la parole la délie déjà. Alors laissez la parole agir, c'est tout. Oh frères et sœurs, nous parlons nous de la purification. L'homme moto a été créé un homme saint. Ajalisa maki moto mo santu.
sans impureté, kozanga mbindo, rien de suivi, ni dans son corps, atana tuto na ye, ni dans sa pensée, atana na ni ye, dans son âme, atana ya rien d'impur. Il était saint comme Dieu était saint. Et ce sont les saints qui se rencontraient pour communier en dessous de l'arbre. Les saints, ils chantaient, les saints se parlaient, les saints communiaient pendant un certain temps. Je ne sais pas après combien de temps. Et après, le saint des saints, il est rentré d'où il venait. Et les autres saints restaient là-bas pour un autre rendez-vous demain soir. Chaque jour, Dieu et l'homme se rencontraient, se parlaient, communiaient. Dieu n'a pas changé. Il veut aussi cette communion-là. Chaque jour, Dieu veut communier avec l'homme. Mais il veut communier avec l'homme qui est saint, qui est pur. Mais la Bible dit, nous sommes nés dans le péché. Tu es bébé, tu es pécheur. À cause de la nature adamique que nous avons hérité de nos pères, pécheurs. Heureusement pour nous, Jésus a ôté le péché du monde. Si nous mourons en étant bébé, en étant enfant, nous allons tout droit au ciel. Parce que Dieu nous considère sans péché. Ah, si on mourait à cet âge-là, on aurait l'assurance qu'on sera au ciel. Malheureusement, nous avons grandi. Malheureusement pour nous, nous avons grandi. Et en grandissant, nous devenons des pécheurs. Nous avons besoin d'être purifiés. Et pour être purifié, il faut commencer par la confession. Il faut d'abord la confession. Dieu ne peut pas t'utiliser si tu ne confesses pas tes péchés. Et après avoir confessé les péchés, il va te purifier. Et ce n'est qu'après la purification que Dieu peut t'envoyer. Oh, Dieu m'a envoyé. C'est très bien. Nous croyons ça. Est-ce que tu es purifié? Dieu ne peut pas envoyer un homme pécheur. Un homme impur. C'est pourquoi quand il a voulu envoyer Esaïe, Dieu a fait voir à Esaïe la gloire de l'Éternel. Esaïe a crié, je veux mourir, moi un homme pécheur, aux lèvres impures. Quand j'ouvre la bouche, mes lèvres ne font dire que les mensonges. J'ai vu Dieu, je veux mourir. Frère Bana me dit, tout homme qui vient à Dieu, il doit d'abord se sentir pécheur. Vous ne pouvez pas vous tenir devant Dieu avec une raison quelconque. Non. La première chose, tu dois te reconnaître pécheur. Oh, moi je ne fais rien. Je me suis regardé. Je marche bien avec Dieu. Honte à vous. Qui étiez-vous? Qui marchait bien avec Dieu? Frère, nuit était le sang de Jésus-Christ. Chaque jour ici, nous devrions mourir.
Il n'y a aucun juste au milieu de nous. Il n'y en a pas. Nos pensées sont corrompues à tout moment. C'est pourquoi la Bible dit que tout homme soit un menteur. Que la parole de chaque personne soit du mensonge. Oh, je marche bien avec Dieu. Est-ce que tu n'as pas de problème, frère? En tout cas, je me regarde vraiment. Je vois qu'il n'y a rien. Mon frère, tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Crois ce que la Bible dit. Tu es un pécheur. Même si tu as le Saint-Esprit, tes pensées sont mauvaises. Nous vivons dans la présence de Dieu à cause du sang de Jésus qui est entre nous et Dieu. Frère, nous avons beaucoup d'insuffisances. Même le prophète William Branham, le grand serviteur de Dieu, embêté par les avocats, il appelle pour qu'on puisse l'attendre. Il dit à sa femme, dis-leur que je ne suis pas là. Et après avoir dit ça, il sort, il va derrière la maison. C'est pour dire que je ne suis pas là. Mes frères, même un grand apôtre, le premier pasteur, frère, établi par Jésus lui-même, il mange avec les païens, les gentils. Quand il apprend que les juifs viennent, il sort par la porte derrière. Et il est libre. Il n'est pas avec les gentils. Le grand apôtre qui a reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte dans la chambre haute. Et quand Paul l'a regardé, il dit, mais mon frère, même toi aussi. C'est pour vous dire, frère, mes sœurs, que nous ne sommes rien. Ne condamnez pas les gens. Parce que vous aussi, vous avez des choses qu'on peut condamner. Mes nous vivons par la grâce de Dieu. Oh, regardez ce qu'il fait. Écoutez ce qu'il fait. Toi, tu es parfait. Toi aussi, tu fais des choses qui ne sont pas justes. Parce que la Bible dit, nul n'est juste devant Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, les choses que je veux faire, les bonnes choses, mais je fais juste le contraire. Mais il était un grand apôtre. Il est allé jusqu'au ciel. C'est pour vous dire, bien-aimés, que nous devons reconnaître nos insuffisances. Et frère Bana me dit, chaque fois que vous voulez prier, demande au Seigneur pardon de vos péchés. Même si vous ne pouvez pas les citer, ça. Mais tu es pécheur. Amen. Amen. Et la même Bible dit, en tant qu'enfant de Dieu, vous n'êtes pas pécheur. Vous êtes sans péché. Croyez ça, frère.
Ce n'est pas que vous n'êtes pas pécheur par vous-même, non. Ezalite de ozangi masumu pona yomokote. Par nous-mêmes, nous sommes des pécheurs. Ozamba tu ya masumu. Mais à cause du sang de Jésus-Christ, qui est tout le temps permanent entre Dieu et l'homme, je ne suis pas pécheur. Lisons quelque chose. Dieu nous aime. Nous lisons dans l'influence des nôtres. Prêché le 13 octobre. Oui, tu as marqué le 13 octobre. 1962. Je suis d'abord au paragraphe 181. Il dit ce prophète passa aussi rapidement à l'action. Il se jeta à genoux et dit: je suis un homme dont les lèvres sont impures. Alors aussitôt qu'il lui confessait cela, vint la purification. Frère Bana me dit que la purification vint après la confession. C'est pourquoi les Juifs, quand il disait à Jésus, nous n'avons pas de péché, Jésus leur disait, restez avec vos péchés. Moi je suis venu sur la terre pour chercher les pécheurs, afin qu'ils soient purifiés. Et vous dites que vous n'avez pas de péché, alors restez avec vos péchés. Vous devez reconnaître et Dieu vous purifiera. Vous devez confesser premièrement. Allons au paragraphe 187. Premièrement, la confession. Puis, Sima, la purification par le feu. Ya moto. Le Saint-Esprit viendra akoya, sur un homme qui a confessé ses péchés. Na moto oyo ayamboli masumu na ye. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a dit: répentez-vous. C'est ça la première chose à faire. Vous voulez recevoir le Saint-Esprit? Commencez par la repentance. Premièrement, la confession. Puis, Sima, la purification par le feu. Gloire à Dieu. Oh, observez ceci. La confession, premièrement. La purification, deuxièmement. Et en troisième lieu, la commission. Donc, Dieu ne peut vous envoyer que lorsque il vous a purifié. Oh, je vais aller prêcher l'évangile. C'est bien. Est-ce que tu as été envoyé? Si Dieu t'envoie, il doit d'abord te purifier. Mais bien aimé, nous devons reprendre le chemin. Parce que nous ne sommes pas repentis, mais nous sommes envoyés nous-mêmes. Ok, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ici parce que Dieu a parlé. C'est Dieu qui connaît le chemin pour aller au ciel. Donc, il est le seul qui peut nous donner des instructions. Faites ceci. Pour que nous puissions aller vers lui. Nous n'avons pas nos propres imaginations. C'est pourquoi nous devons être attentifs et recevoir ce que Dieu nous dit. Allez vers l'homme devant vous. Amen. Amen.
Donc je disais, enlevez l'homme devant vous. Recevez la parole qui sort. Que ce n'est pas la parole de l'homme. C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas une autre voix. Dieu a envoyé un prophète. Parce que la parole ne peut venir qu'au prophète. Et nous avons reçu le prophète. Et le prophète a parlé de la part de Dieu. Mais pourquoi nous continuons à rester tels que nous avons été? Nous ne sommes pas les premières personnes à être appelées par Dieu. Dieu a marché avec les gens avant nous. Entrons dans la Bible. Voyons comment les autres ont marché avec lui. Maintenant, je reviens à moi. Comment moi je marche avec lui? C'est un problème de l'individu. Ce n'est pas un problème de l'église. Toi comme individu. Est-ce que tu marches avec Dieu? Prenez l'exemple de quelqu'un qui a marché avec Dieu dans la Bible. Demandez-vous, est-ce que cet homme a marché avec Dieu? Est-ce que moi aussi je marche avec Dieu comme lui? Voyons ce que Dieu a fait dans sa vie. Et qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie maintenant? Parce qu'il est écrit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comment il a fait ça dans la vie de telle personne? Et dans ma vie, il ne fait rien. Posez-vous des questions. C'est comme ça que Frère Branham a fini à voir que ce livre ici est une réalité. Il lisait un verset biblique. Il le ramenait dans sa vie. Jusqu'à ce que ce verset-là devienne une réalité. Tel qu'il le voit là. Et après il passe. Et c'est comme ça qu'il est devenu la Bible. Il est devenu la parole. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, nous sommes la Bible que les gens peuvent lire. Ce n'est pas une histoire des hommes, des prédicateurs, des pasteurs, non, des grands. Non, ce n'est pas ça. C'est un problème de moi en tant qu'individu que je devienne la parole qui est écrite là-bas. C'est tout. Et c'est ce que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas les hommes qui doivent être grands. Dieu cherche les hommes et les femmes qui peuvent devenir sa parole. Il y a des gens qui m'ont appelé. Oh, le président Obama a dit ceci pour les homosexuels. Oh, président Obama, lobby boy boy pour na bateau ba homosexuel. Ah, nous voulons faire une émission avec vous pour que vous puissiez donner des déclarations. Tolingi tout ça la émission moko na yo pour ba maloba. J'ai dit moi je ne suis pas là. Na binga na zakunate. Je ne suis pas là. Na zakunate. Moi je prêche l'évangile. Na teka sango malamu. Obama fait son travail. Obama sala mosala na ye. Ce n'est pas mon problème. Ça likamuna ngate. Jésus a dit, yes, ce qui est arrivé au temps de l'autre arrivera de même dans ce temps ici. Laissez les gens accomplir les écritures pour que la colère de Dieu puisse se déchaîner sur la terre et que nous puissions partir. Vous voulez donner quelle déclaration? Vous allez vous battre avec Dieu qui a dit que la chose arrivera. Vous voulez aller empêcher ça? Oh frère, laissez la prophétie s'accomplir. Si vous l'empêchez, vous allez aussi empêcher l'enlèvement. Oh, je n'ai pas encore construit ma maison, que l'enlèvement n'est pas lié. Non. Laissez l'écriture s'accomplir. Vous regardez à Jésus. Tournez le regard vers Jésus.
N'entrez pas dans les disputes avec les hommes. Mes bien-aimés, que Dieu nous aide pour rester avec la parole. Et j'ai reçu un autre frère. Oh, c'est nous qui sommes les princes qui devrions faire la politique et changer ce monde. Nathalie, toi tu es prince. Je l'ai regardé, Nathalie, tu es prince solo. Quand Dieu a dit que le monde est fini, toi tu veux changer ça comment? Tu ne connais pas ce qui se passe. Entrez dans le message. Et vous connaîtrez la volonté de Dieu pour ce temps-ci. Oh frère. Oh Deko. Et vous voyez des grands hommes de Dieu. Des pentecôtistes. Des pentecôtistes, des églises de réveil. Oh, ceci, cela. Oh, on ne fait pas bien. Oh, frère. Oh, je vais devenir parlementaire. Pour que je puisse changer les choses. Vous ne connaissez pas ce que vous dites. Vous ne savez même pas dans quel temps nous vivons. Vous êtes incapables de changer quoi que ce soit. Même si vous devenez premier ministre aujourd'hui, même si vous devenez président de la République, vous êtes incapable de changer ce que Dieu a dit. Occupez-vous des changements des hommes. Que les hommes reçoivent le Saint-Esprit dans votre église. Laissez les politiciens faire leur travail. Vous laissez votre travail qu'on vous a donné. Et vous voulez aller faire le travail des politiciens. Honte à vous. Mes bien-aimés, quand le roi Ozias a voulu aller faire le travail des sacrificateurs, il a attrapé la lèpre. Laissez chaque personne à sa place. L'autorité a sa place dans la Bible. Et vous les sacrificateurs, vous avez votre place dans la Bible. Et chacun répondra à Dieu de ce que Dieu lui a donné. On ne vous a pas envoyé ici pour aller aider quelqu'un d'autre. Vous allez aider les politiciens. C'est écrit où? Et comment m'y wapi? Prédicateur, Motei. Rentrez dans la Bible. Zonga na kata Biblia. Rentrez dans la parole de Dieu. Zonga kata loba na nzambe. Et prêchez la parole. Bete ali loba. Arrêtez le compromis avec la parole. Tika kosala okakola loba na nzambe. Vous restez dans la parole. Yo tika la loba na nzambe. Que le monde vienne vous consulter. Mokili ne ba ya kotala yo. Dans la parole. Kata li loba. C'est vous qui connaissez Dieu. C'est vous qui êtes le représentant de Dieu. Et Dieu a dit, priez pour les autorités. Alors priez. Et arrêtez-vous à ça. Oh mes frères. C'est pourquoi Dieu a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et nous sommes dans la lumière. Personne ne peut nous tromper. Personne. Personne. Faites votre travail en tant que religieux. Faites votre travail que Dieu vous a donné. Et laissez les hommes politiques faire leur travail. Mes bien-aimés, Dieu ne peut pas changer. Si un homme politique vient vous demander le conseil, donnez-lui le conseil de la parole de Dieu. Si il ne vient pas vous demander conseil, restez tranquille chez vous. C'est une honte de voir des religieux de se mêler dans la politique. C'est une honte. Cela montre qu'ils ont échoué dans leur domaine de la religion. Ils n'ont pas amené l'homme à la perfection, même pas à la sanctification. C'est ça le travail qu'on vous a donné. Amener les hommes à la sanctification.
Oh frère. Oh ndeko. Quel échec. Kokweya ninyo yo. Nous devrions avoir honte. Et c'est tout soni. Devant le monde. Libosona mokili. Mes bien-aimés. Balinga binangai. D'abord la confession. Liboso eyambweli. Après la purification. Sima kopeto la ma. Nous voulons voir des hommes pillés dans l'église. Tolingi to mona bato batelemi ngui kat na ecclesia. Quand les hommes du monde nous regardent, ils vont s'étonner. Baka moi. Mais ça, c'est déjà ici. Batoyo. Ce sont des anges Ezali bangelou, ou des hommes terrestres. To bato ya mokili. Qu'ils s'étonnent. Baka moi. Mais eux, ils sont du monde. Ils nous regardent, nous qui sommes de la religion. Nous faisons la politique. Nous nous entretuons entre nous. Nous nous injurions entre nous. Nous nous querellons entre nous. À quoi est-ce que nous sommes utiles pour eux? Mes bien-aimés, changeons de tableau. Changeons de tableau. Restez dans l'église. Retournez dans la Bible. Prédicateur, restez dans la Bible. Manifestez la puissance qui est dans la Bible. Quand toi tu es prédicateur, on te voit encore dans une loge. Des païens. Mais on t'avoue. Soni na yo. Oh, c'est grave. Vous qui avez toute la puissance. Dieu est la puissance. Au-dessus de toute puissance. Les féticheurs, les magiciens devraient venir chez vous comme Pharaon qui venait chez Joseph, comme Nebuchadnezzar qui venait chez Daniel. Daniel, qu'est-ce que votre Dieu a dit? Oh frère, oh, ndeko. Tous les magiciens, tous les sorciers ont échoué. Mais Daniel, il vient avec son Dieu. Le même Dieu que nous adorons aujourd'hui. Il dit, roi, ne détruis pas tous ces gens ici. Je sais que ce sont des sorciers. Ce sont des magiciens. Mais ne les tuez pas. Moi, j'ai un Dieu qui peut donner la solution au problème. Donnez-moi un temps. Je vais aller prier Dieu. Daniel était sûr. Daniel andimisamaki. De son Dieu. Et pas nanzambe na ye. Il était sûr. Andimisamaki. Du Dieu que lui adorait. Nanzambe zali ko sambela. Même s'il était dans l'empire des païens. Ata ko zaki na bokonzi ya bapagano. Mais autour de lui, kasi zinga na ye. Il y avait une lumière. Et zaki na pole moko. Il y avait une atmosphère. Et zaki na nzebi moko. Frère, Deko, tel que vous êtes là, Dengo Zaliwana, vous pouvez vous créer une atmosphère céleste. Okoki kosala nzebi moko ya likolo. Et demeurer dans cette atmosphère-là. Pe umela kati na nzebi wana. Tout autour de vous, zinga na yo, des ténèbres, molili. Tout autour de vous, zinga na yo, de la sorcellerie, kindoki. Tout autour de vous, zinga na yo, de la magie. Magie. Mais toi, Kasiyo, tu es dans un autre monde. Kosala mokili mosusu. Oh, gloire à Jésus. Oh, kembo na Yesu. Un monde à toi. Mokili oya yo moko. Avec Dieu. Na nzambe. Vous deux. Bino mibale. Seul. Kaka bino mibale. Oh, gloire à Jésus Christ. Oh, kembo na Yesu Christo. Alléluia. Amen. Confessez vos péchés. Bo yambo la masungu na bino. Pour que Dieu puisse vous purifier. Bo tebeko ngopeto na bino. Oh, mes bien-aimés. Oh, balinga minangai. Il va nous utiliser. Pe akosale la biso. Dieu veut utiliser les hommes. Nzambe linga sale la bato. Il veut utiliser toi. Alinga sale la yo. Toi. Yo. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Eza moto mosusu te. Mais il veut utiliser toi. Alinga sale la nde yo. Voyez-vous? Bomoni. La confession. Koyambola. La purification. Kopetolama. La commission. Pe etinda. Aller par tout le monde. Kende bisikanyo sala mokili. Et prêcher l'évangile. Te yasango malamu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il les a envoyés. Et après, il leur a dit, allez attendre à Jérusalem. Jusqu'à ce que vous soyez purifiés. Et après, vous allez partir. Mais nous les avons vus. Malgré leur faiblesse comme humains. Mais ils avaient la puissance.
Et ils ont démontré ça. Et la Bible dit et prêcher la parole et le Seigneur confirmer la parole qu'il prêchait. Si je prêche le vrai évangile, si j'ai été purifié, si j'ai été envoyé, moi, je devais seulement prêcher la parole. Et lui, il va confirmer la parole. On n'a pas besoin de changer les physionomies, de faire les grimaces pour que quelqu'un soit guéri. Non. Tout ça, la bosenga te, y'a quoi bon la macambo, y'a quoi ça la bikela, que la pointe, y'a quoi ça la bika. Te. Non. Te. Taper les pieds là-bas. On peut te mettre colokuna. Courir. Ok, maman bango. Tourner autour de la personne. Pour qu'il soit guéri. Pointe à bikisama. Non. Te. Ce n'est pas moi qui guéris. Moi, j'ai prêché la parole. Que Dieu guérit les malades. Laissez maintenant ces dieux-là. Venir guérir les malades. Oh frère. Oh ndeko. C'est Dieu qui a donné la promesse du Saint-Esprit. C'est lui qui doit baptiser les gens du Saint-Esprit. Ce n'est pas toi. Tu bouges quelqu'un. Tu ne secoues. Tu le bouges. C'est ça que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit imposer les mains. Calmement. Et lui, il va baptiser du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse, frère. Nous avons pas mal en déco. Tes secousses-là n'ont rien à voir. Koningisa wana zana tina mon côté. Jusqu'à aller tomber avec la personne. Qui n'aura de quoi en amoto wana. Ce n'est pas ce que Dieu vous a dit. Nous avons là-bas qui n'a pas ngoté. Oh gloire à Jésus. Ok mon Yesu. Mais bien aimés frères et sœurs, restons dans l'esprit de la parole. Faisons ce que la parole de Dieu a dit. Ce n'est pas par ma force. Non. Vous pouvez crier oh oh oh. Ce n'est pas ça. Les démons n'ont pas peur de vos paroles là. Le démon a peur de votre vie sanctifiée. Quand vous êtes purifié, dès que vous vous approchez des démons, les démons parlent déjà. C'est ça la parole de Dieu. Ce n'est pas à cause de force de crier. Non. Mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Merci. Paragraphe 188. Après la confession, vient la purification. Après la purification, vient la commission. Prêchez l'évangile. Guérissez les malades. Peu importe ce que les gens disent. Vous allez de l'avant. Oh frère. Dans la prédication, la demeure future de l'époux céleste. Frère Branham dit quelque chose là-bas. Au paragraphe 159. Na eteni ya kotanga mokama na tuku mitano na libo. La demeure future. Esika ya kofanda. Ah, c'est comme si je ne vois pas ça. Au paragraphe 159. Na eteni ya kotanga mokama. Il répète la même chose. Azali kozongela kaka likambo moko wana. Il faut d'abord la confession. Et après la confession, Simana et Yambweli. Ah, ok. Merci. 159. Il dit ceci. Alobi boy. Ce processus nous rend purs. Un temple pour son lieu d'habitation. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit par le feu. C'est ce qui fait la purification de ce temple. Frère, ce n'est pas votre travail. Le feu là, vous ne le connaissez même pas.
Vous ne le connaissez pas? Oyebi yango te. C'est Dieu lui-même qui vient avec son feu. Nzambe ye mokonda zali koya na moto na ye. Pour brûler ce qui reste. Pona kozikisa oyo etikalaki. Frère. Ndeko. Dans ma vie. Na bomo inangai. Frère, vous allez m'excuser si vous êtes dans ce que je veux dire. Je n'aimais pas les albinos. Je ne peux pas les saluer. Je ne peux même pas manger avec lui. Mais quand j'ai passé l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est cette histoire-là est partie. Je pouvais après embrasser les albinos, manger avec lui. Aucun autre sentiment. Je n'ai pas fait d'effort. Mais la chose était là en moi. Depuis mon enfance. Mais Dieu l'a brûlé, il l'a consumé. Vous devez savoir, comme le prophète a dit, vous passez par une expérience. Après, regardez maintenant qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie. Qu'est-ce que Dieu a consumé dans votre vie? Le feu du vin, ça a consumé quoi? Sinon, alors, vous perdez votre temps. Ce qui était aux pamba. C'est le prophète qui l'a dit. Les expériences, nous pouvons les passer. Mais après l'expérience, voyez ce qui vous est arrivé. J'ai eu la joie. Et après, cette joie a disparu. Ce n'est pas ça. J'ai eu vraiment une paix. Quand l'onction est venue sur moi. D'accord. Mais cette paix-là s'est arrêtée quelque part. Tu es devenu un homme troublé. Qui s'agite à tout moment. Donc ce n'est pas ça. La chose qui vient du Saint-Esprit. Elle doit rester permanente. Si Dieu a enlevé quelque chose, il l'a enlevé pour toujours. Ça ne va pas rentrer encore là-bas. Quand Dieu vous arrache des mains de Satan, Satan n'aura aucun pouvoir de vous retourner encore sous son joug. Où Dieu est impuissant alors? Alors nous ne voulons pas de ces dieux-là. Impuissant. Que le diable peut mener comme il veut. Non. Nous avons crié à un Dieu. Quand il vous délivre, c'est une délivrance totale. Et définitive. Les tentations peuvent venir. Mais je suis en sécurité. Oh, gloire à Jésus-Christ. Ok, mon Jésus-Christ. Purifions nos cœurs. Peut-être que vous avez été incrédule à la parole de Dieu. Vous doutiez de la parole. Mais quand le feu divin entre en toi, cela doit purifier votre cœur. En d'autres termes, l'incrédulité doit disparaître. Quand vous êtes devant la parole, vous croyez à chaque parole. Vous aimez la parole. Frère Bana me dit, vous devenez amoureux de la parole. Parce que l'incrédulité est partie. Oh frère. Oh Ndeko. Lisons quelque chose. Totanga likambo moko. Dans Dieu tient sa parole. Na nzambe asimba kaliloba na ye. Prêchez le
20 janvier. Oui, tu es ami le 20 janvier 1957. Je suis au paragraphe 15. Il est dit ceci. Il est dit. Oh là là, le temps. Aussi nous te prions, et c'était la prière de Frère Branham. Nabongo, tu as dit que bon de la zaki bon de la de Branham. Père, papa, de nettoyer nos mains. Au pétola ma boko nabiso. Et de purifier nos cœurs. Père, au pétola mitema nabiso. Lave-nous des choses du monde. Sukola biso na makambo ya mokili. Dans les eaux de purification. Na mai ya ko pétola ma. Par la parole. Na liloba. Et que par la parole. Et na nzela liloba. Tu as dit, vous êtes purs par la parole. Aussi, nous prions que la parole sonde profondément nos cœurs à tous. Ce soir, et qu'elle nous purifie de toute incrédulité. Que nos cœurs puissent être renouvelés par le Saint-Esprit. Et puisse-t-il nous apporter ce soir les choses qui soient utiles au royaume de Dieu. Viens en aide, Seigneur, à ceux qui manquent de force le long du chemin. Qui ont du mal à croire la parole. On vous montre la parole. Vous voulez raisonner. Oh, c'est le pasteur qui a parlé. Mais ce que le pasteur a dit, et c'est la parole de Dieu. Frère, la chose qui est en train de nous tuer, ce sont nos raisonnements. Nos raisons. Vous voyez vraiment que vous avez raison ici. Et votre frère a tort. Mais est-ce que l'attitude que vous avez, dans la raison que vous avez, est-ce qu'elle est biblique? C'est ça le problème. C'est vrai que vous avez raison. C'est vrai que lui a tort. Mais l'attitude que vous avez vis-à-vis de votre frère à cause de votre raison, est-ce que cette attitude est biblique? C'est vrai qu'elle a tort. Toi, tu as raison. Mais tu ne veux pas la saluer. Est-ce que cette attitude-là est biblique? Est-ce que c'est la Bible qui vous dit que quand vous avez raison, alors vous ne pouvez pas la saluer. Vous devez la déconsidérer. Nous nous présentons trop avec les raisons. Ah, c'est lui qui a tort. Oui, c'est lui qui a tort. Mais est-ce qu'on a dit que parce qu'il a tort, toi tu dois le mépriser? C'est écrit où? Et comment mi wapi? Dieu ne voit pas nos raisons. Si Dieu voyait nos raisons, personne ne serait sauvé. Parce que Dieu a plus raison sur nous que ce que nous avons pour les autres. Mais bien aimé, Dieu nous a visités. Quand je vois cette scène, un enfant est né. Les dieux se déplacent. Cet être surnaturel se déplace. Je ne sais pas là où il est resté. Mais il s'est déplacé. Jusque là où l'enfant est né. Frère, Dieu se déplace pour un enfant qui est né. Parce qu'il va l'utiliser plus tard. Et nous jouons avec cette parole. Mais bien aimé, il y a une personne qui est née dans une cabane. Le Dieu du ciel qui a créé les cieux et la terre. L'invisible.
Le surnaturel. Oh, yali kolo koleka. Il marche. Atako tambola. Un deux. Atambola inde. Jusqu'à aller voir cet enfant là. Tu m'as la moana wana. Qu'il va utiliser. Oh, yako sale la kaye. Plus tard. Si ma mikolo. Et nous avons ce message. Mais sango yango. Mais bien aimé. Balinga binangai. C'est grave. Ils allaient somo. Le Dieu du ciel. Nzambe na lola. Jésus Christ. Jésus Christ. L'ange de l'Éternel. Mwanje na Yahweh. S'est déplacé. Atike sika na ye. Frère. Ndeko. C'est grave. Ils allaient somo. C'est grave. Ils allaient somo. Si vous pouvez garder la haine. So ko batte la koina. Contre un frère. Parce que toi tu crois que tu as raison. Dans ce message où Dieu a utilisé cette personne là, il est allé visiter quand il était bébé, les premières minutes de sa naissance. Oh frères et sœurs, il vous dit, alors, vous devez garder la communion avec vos frères, peu importe votre façon de voir, vous devez garder la communion. Frère, est-ce que toi on t'a visité comme ça? Pour que nous puissions croire à tes paroles, pour que nous puissions croire à ta raison. Quel est le réseau tu as? Et l'on a dit ça na yango. Oh mes bien-aimés. Oh balinga minangai. Nous vivons dans un temps glorieux. Tout ça copie quand attend comme quoi y a quelqu'un. Frère Bana me dit. De comprendre malobi. Quand Isaïe a vu cette gloire là. Tango Isaïe a mona qui kembo. Il est tombé. À quoi il sa face? Ne longi na ye. Mais nous. Kasibiso. Nous voyons la même gloire. Tout ça comme on a kembo bel moko wana. Il n'y a rien. On est indifférent. On s'injurie. On se taquine. On se méprise. Alors que la gloire est là au milieu de nous. Frère, quand William Branham nous parle de toutes les visions que Dieu lui a montrées, vous pensez qu'il est fait là comme ça par hasard? Vous parlez plaisir de le dire? C'est pour nous montrer que la gloire de la Shekinah était sur la terre. Nous l'avons vu. Et nous croyons à ça. Si vous croyez à ce message, c'est que cette gloire-là était sur la terre. Craignons. Mais bien aimé, qu'est-ce que vous allez gagner en étant contre quelqu'un? Vous allez gagner quoi? Et si vous l'aimez, vous allez perdre quoi? Quand Dieu lui-même, il nous a dit que pour nous qui avons reçu ce message, c'est l'amour parfait qui va entrer là-bas. Comment nous prenons ces paroles? Comment nous les considérons? Comme les histoires comme ça qu'on raconte. Où c'est le Dieu du ciel? Là où toi tu veux aller là-bas. C'est lui qui te dit pour aller là, voilà ce que tu dois avoir. Mais nous devrions à tout moment ici pleurer. Pour savoir si je suis déjà arrivé ou pas. Ou si je suis en voie d'aller vers cet amour. Oh mes bien-aimés. Nous nous accrochons aux choses de ce monde. À des petites choses de rien du tout. Qui ne servent à rien. Et nous sommes sur la terre. Trop bas là-bas. Au lieu de nous élever. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oh, mes bien-aimés. Oh, balinga minangai. Que Dieu nous aide. Frère Bala me dit quelque chose aussi. On va bientôt terminer. Mais on n'a pas terminé. Dans une minute, toi. Na litea oyo mikitisa.
Paragraphe 75. Itenya kotanga tukusambo na mitano. Il dit ceci. Alobi boye. Je crois vraiment que ce que frère Vail a dit est la vérité. Que Dieu ne mettra jamais son esprit dans un temple malsain. Dans une poubelle. Ton cœur est rempli et de mauvaises choses. Na makambo mabe. Jésus a dit, Yesu alobaki, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que tu dis là, mais ça vient de ton cœur. Si c'est mauvais, c'est que ça, ton cœur est mauvais. Et Dieu Benzambi ne mettra pas akotiakate son esprit saint molimo na yemo santo dans un cœur malsain na motema o ya mpinto. Il ne fera pas akosala yangote. Par conséquent, jokande, si mon cœur est malsain, soki motema na ngeza limbo soto, que je ne me dise pas na mino belate que l'esprit saint est dans mon cœur ete molimo mo santo na motema na ngai. Oh mes bien-aimés, oh balinga minangai, Dieu ne mettra jamais son esprit dans un temple malsain, inique. Désobéissant. Non. Il doit venir en nous par la voie de la purification de nos cœurs. Exempte de toute fraude. Et de toute iniquité. Pour que nous soyons purs devant Dieu. Pour qu'il puisse faire agir à travers nous son pur Saint-Esprit. Pour accomplir ces choses. Je pense que quand vous rentrerez chez vous ce soir, maintenant, recevez ça. Si vous voulez que vous comme c'est Branham qui est ici, il est en train de vous parler. Prenez ça comme ça. Comme ça, ce qu'il demande, il dit ici, que vous puissiez le faire ce soir à la maison. C'est comme ça que nous lisons la parole de Dieu. Je pense que quand vous rentrerez chez vous ce soir, si vous lisez le petit livre de Jude, vous y apprendrez beaucoup de choses sur ce que frère Vail a dit. Il a dit, je combats pour la foi qui a été transmise au Saint une fois pour toutes. Et il s'en était éloigné. Na bongo akendaki mosika. Là, des hommes corrompus, wana bato, ba bebi sami, d'entendement et tout, ba bebi sami na boyo ki s'était nyoso introduit ba kotaki, et par leur tromperie, nanzela ya bokos na bango, il les avait éloignés des vraies choses de Dieu. Ba pengusaki bango na mosika na makambo malamu ya Nzambe. Combattons to bunda pour la foi bona kondima qui a été transmise au sein oye pesamela ki ba santu une fois pour toutes. Mbala moko pona libela. Entrons dans la parole de Dieu. Et vivons la parole de Dieu. Éloignons-nous de toutes choses qui est contraire à ce que dit la parole. Mes bien-aimés, nous mourons à cause des raisons. Oh, il a tort. Oh, c'est lui qui m'a fait ça. C'est vrai. C'est lui qui a fait ça. Mais qui dit la parole? C'est là où nous sommes. C'est ça la foi pour laquelle nous devons combattre. C'est-à-dire
Que dit la parole? Liloba et lobini. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est cette foi-là qui a été transmise au sein. Les médecins ont dit ceci. C'est vrai. Mais qui dit la parole? Abraham a vieilli. C'est vrai. Les gens se moquaient de lui. Mais pour Abraham, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu n'a pas encore changé ce qu'il a dit. Mais pourquoi je dois dépendre de ce que vous dites? Pourquoi je dois considérer ce que vous dites? Quand Dieu n'a pas encore changé ce qu'il avait dit, c'est cette foi-là pour laquelle nous devons combattre. Qu'est-ce que Dieu a dit? Même si je pose un acte qui est contraire à la parole, si le Saint-Esprit est dans mon cœur, il va m'interpeller. Ce que tu as dit là, ce n'est pas correct. Tu sais que ce n'est pas correct. Et tu vas dire oui. En tout cas, pardonnez-moi. Je ne reviendrai plus à ça. Et si l'occasion vous est donnée, vous allez demander pardon à la personne pour que vous ayez la paix. Mais si vous restez indifférent, comme si rien n'était, et vous continuez votre chemin, la parole de Dieu dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec votre foi. Il y a quelque chose qui ne marche pas. La purification de nos cœurs, de nos pensées. On va continuer avec ça. Parce que tout ce qu'on a écrit, on n'a pas vu ça. Nous devons être purifiés. Si nous voulons aller dans la présence de Dieu. Oh, mes bien-aimés, l'œuvre qui a été accomplie à Golgotha, à la croix, c'est une œuvre parfaite. Et elle est agissante dans nos vies. Si réellement nous avons été purifiés et que le Saint-Esprit habite en nous, cette œuvre-là est parfaite. Et bongi paix. Frère Bana me dit, le Seigneur Jésus est en train de travailler chaque jour, nuit et jour, pour notre purification. Quand il y a une saleté qui entre, lui, il enlève ça. Mais la saleté est entrée. Peut-être les hommes ont vu ça. Mais après une seconde, il enlève ça. Et toi, tu resteras là-bas. Mais la saleté est entrée en lui. Et tu vas parler à quelqu'un d'autre. La saleté est entrée en lui. Pendant que Jésus a déjà enlevé ça. Et toi, tu vas continuer à parler. Oh yeah! La saleté est entrée en lui. Faites attention. Nous sommes dans la maison de Dieu. Le sang de Jésus nous purifie de jour en jour. C'est la parole de Dieu. Ne venez pas avec vos pensées dans le royaume de Dieu. Non, frère. Venez avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit pour son enfant qui a reçu le Saint-Esprit? Aujourd'hui, mon frère ici a le Saint-Esprit. Et demain, il pose un acte, le Saint-Esprit s'en va. Mais qu'est-ce dit la parole? Qu'est-ce dit la parole? Rien et le côté ne peut enlever le Saint-Esprit qui vous a été scellé. Oyo,
Même pas l'enfer, même pas le séjour des morts, ne peut l'arracher de toi. Vous avez été scellé jusqu'au jour de votre rédemption. Oh frère, croyez à la parole de Dieu. Ne croyez pas à vos pensées. Souvent, c'est ce qui nous tue. Nous croyons à nos raisonnements. Nous pensons que Dieu doit honorer nos raisons. Non, Dieu honore sa parole. Quand il a sauvé un homme, il a sauvé pour toujours. Vous amenez-les en enfer comme vous voulez. Amenez-les dans le séjour des morts comme vous voulez. C'est votre enfer en vous. Peut-être que c'est vous qui irez dans cet enfer-là. Mais lui, il n'ira jamais en enfer. Parce que Dieu l'a déjà sauvé. Oh frère et soeur. La purification. C'est ce que Dieu exige. Mais vous n'êtes pas capable de vous purifier vous-même. Ce n'est pas votre purification. C'est Dieu qui purifie. Avec son feu. Toi, tu ne connais même pas ce feu-là. Donc restez tranquille, croyez à la parole, faites ce que Dieu vous demande de faire et avancez avec Dieu. Dieu vous purifiera et il viendra habiter en vous. Et quand il va habiter en vous le saurez. Même si les autres ne le savent pas, mais vous, vous le saurez. Vous saurez que j'étais enceinte. Maintenant, je n'ai pas la grossesse. C'est que j'ai accouché. Et vous pouvez montrer aux gens cet enfant-là. L'enfant qui était au sein de moi, c'est cet enfant. C'est ce bébé ici. Tu n'auras pas honte de le dire. Tu ne vas pas hésiter de le dire. Non. Donc quand Dieu vient habiter en vous, vous le saurez. Même s'il n'y a pas eu de sensation, mais vous le saurez. Jésus-Christ, il savait que Dieu était entré en lui. Mais il ne s'était pas agité. Il n'a pas sauté. Il n'a pas couru. Mais Jean a vu le Saint-Esprit sous forme d'une colombe et venir demeurer sur lui. Et lui a continué son chemin. Et la Bible dit, l'Esprit Saint l'a amené dans le désert pour être tenté. Ce n'est pas le diable qui a amené Jésus dans le désert. Non, c'est Dieu-là qui est entré en lui, qui l'a amené au désert. Donc si Dieu vient habiter en vous, il peut vous amener dans la fournaise ardente. Parce que maintenant, vous devenez agneau. Lui, il est la colombe. Et la colombe est envoyée pour conduire l'agneau là où lui, la colombe, veut. Ce n'est pas là où l'agneau veut, non. L'agneau maintenant n'a pas de volonté. Alléluia. Amen. Maintenant, Sikawa, l'agneau doit faire la volonté de la colombe. Pourquoi vous ne comprenez pas? Dès que la colombe entrez en vous, vous perdez votre volonté.
Maintenant, c'est sa volonté qui compte. Si quand même, quand on a des choses là. Si il veut vous amener dans la fosse au lion. Soit quand même, quand on a les boules là, quoi si. Vous allez dire, je m'en vais. Au colombat n'a qu'au kende. Partout, il veut vous amener. Puis si quand ça colline comme un maillot. Si il veut vous amener pour que vous soyez, je ne sais pas moi, vous ayez l'opprobre. Ce qui a l'ingi qui a mes maillots qui n'ose à la moto, il y a Sony. Il vous amène là-bas. À quoi mes maillots qu'on a. C'est lui maintenant qui vous conduit. Il y a une sucre au cambayo. Ce n'est pas vous. Et ça, c'est sous yoté. Vous ne contournerez jamais sa volonté. Yo, oko kima te mokanonaye. Même si vous essayez de fuir, attention, l'ingi ko kima. Il vous ramènera toujours là. Ako zongi sa otango nyoso wana. Oh, j'aurai honte. Oh, na koyoka soni. Si c'est pour que vous ayez honte. Soki za poyoka soni. Si c'est sa volonté à lui. Soki za mokanonaye. Il vous amènera là-bas. Ako zongi sa yo wana. Mes bien-aimés, Balinga Minangai. C'est ça le message. Yangonde Sangomalamu. Et nous avons cru. Oh, Tondimi. Oh, il m'a. Ce qu'il a fait vraiment, il a touché à ma réputation. Oh, Openda Sali et Simi Motonangai. Si c'est la volonté de la colombe, Soke Zali Mokano na Ebenga. On touchera à votre réputation. Bako Simba Lokumu na yo. On touchera à votre personnalité. Bako Simba Bomoto na yo. Si c'est la volonté de la colombe, nous n'avons pas de personnalité. Nous sommes déjà morts dans nos propres personnalités. Nous n'en avons pas. Maintenant, Sikawa, ce que nous avons, c'est la personnalité de Jésus-Christ. Christ. C'est ce que la colombe veut honorer. Le reste, ça ne lui dit rien. Nous allons nous lever. Nous sommes arrivés à la fin de la prédication. Que Dieu nous aide pour saisir la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas la parole de l'homme. La volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté d'un homme. Ce n'est pas ta volonté. Ce n'est pas ma volonté. C'est pourquoi nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Mes bien-aimés, chacun va prier. Entrez dans la présence de Dieu. Dites quelque chose à Dieu aujourd'hui. Restez d'abord calme. Soumettez-vous à lui. Et que lui puisse souffler en vous ce que vous devez lui dire. Et il va honorer ça. Nous avons écouté sa parole. La purification, c'est lui qui le fait. Toutes nos mauvaises pensées, il n'a pas besoin de ça. Le feu divin doit brûler ça, doit consumer ça, pour que nous puissions être purs dans sa présence. Qu'on nous chante un petit cœur. Pendant qu'on est en train de chanter, élevez vos cœurs à Dieu. Et quand vous sentez que vous pouvez dire quelque chose à Dieu, dites ça avec révérence, avec beaucoup de respect, sachant que le Seigneur Jésus est ici avec nous.
Oh,
Allons prier le Seigneur. Père bien-aimé, Tata Molingami, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Nous savons, Seigneur notre Dieu, que cette parole, ce message est la vérité qui est venue de toi. Et cela produira les résultats. Parce que tu ne peux pas parler en vain, Seigneur. Seigneur Jésus, bénis tes enfants. Bénis ton peuple. Seigneur, révèle-toi à chacun d'eux, bien-aimé Père. Afin que cette parole devienne une réalité dans la vie de chacun. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Laisse que maintenant, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse entrer en scène. Que le Saint-Esprit puisse suivre la parole jusque là où il est entré. La parole est entrée. Et qu'il puisse l'arroser, Seigneur. Et que la parole puisse être vivifiée. Merci, Père. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance à toi. Que ce que nous avons demandé, Seigneur, tu l'as déjà accompli. Et nous verrons cela s'accomplir, Seigneur. Nous voulons voir la parole rendue manifeste au milieu de nous, dans la vie de chacun. Soutiens-nous, Seigneur. Assiste-nous, Seigneur. Marche avec nous, Seigneur. Sois devant chacun de nous, Seigneur. Et rends cette parole réelle dans la vie de chacun de nous. Père bien-aimé, Papa Molingami, nous sommes arrivés à la fin de ce service. Accompagne chacun de nous, Seigneur. Jusqu'à ce que chacun arrive dans sa maison. Et là, Seigneur, continue à nous révéler ta parole. Continue à nous éclairer, Seigneur. Afin qu'il n'y ait pas de confusion dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Merci, Père. Bénis ton épouse à travers le monde. Et bénis cette parole, Seigneur. Oh Père bien-aimé. Oh Papa Molingami. S'il y en a qui ont des requêtes. Et qui désirent recevoir quelque chose de toi. Oh Père bien-aimé. Oh Papa Molingami. Accorde à chacun ce qu'il a demandé, Seigneur. Et accorde à chacun la foi parfaite pour qu'il puisse croire que ce qu'il a demandé au Père, il a déjà reçu cela et il verra cela s'accomplir. Seigneur notre Dieu, le panier va circuler pour que le culte soit au complet. Sanctifie ce panier, Seigneur, et bénis toute personne qui mettra quelque chose. Bénis le travail de chacun de tes enfants, Seigneur, et laisse que tout ce que tes enfants vont entreprendre, que cela puisse réussir. Père, Tata, nous te prions pour la réunion de demain matin. Sois avec nous, Seigneur. Parle Loba à travers l'orateur. Nanzela na molobi. Et que chacun de nous, Seigneur, puisse recevoir ta pensée. Merci, Père bien-aimé. Rentre avec chacun. Sois devant chacun de nous, Seigneur. Et bénis-nous, bien-aimé Père, dans tout ce que nous allons entreprendre. Nous te le demandons, Père bien-aimé, au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Kembo na Jésus-Christ nzambe na biso. Que Dieu bénisse chacun de vous.
Nzambe apambola moko moko na bino. Et quand nous allons sortir, petango toko bima, que le Saint-Esprit puisse nous accompagner. Molimo musoto ko kamba biso. Il est notre conducteur. Azali mokambi na biso. Il est notre guide. Azali motambu sina biso. Il te guide dans ta vie. Azali kotambu sona bomo ina yo. Et aie confiance à lui. Petela ye motema. Ne mets pas ta confiance dans un homme. Mets ta confiance en Jésus-Christ. Pendant que le panier soit en train de circuler, Tango, bikolo, saliko, tambola, nous allons chanter. Toko yemba. Et quand on aura terminé avec les offrandes, Tango, toko, silisa, na kokongola, makabo, nous allons sortir. Toko bima. À commencer par les gens qui sont derrière. Priez pour l'Église. Et prions les uns pour les autres. Pendant que vous êtes en train de prier chez vous à la maison, pensez aussi aux autres saints qui sont dans le monde. Où qu'ils soient, priez pour eux. Ne soyez pas égoïstes. Nous allons chanter pendant que les paniers sont en train de circuler. Wana ekolo zali kotambola. Conduis-moi, Seigneur, ô Jésus, conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur, ô Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Guide-moi, Seigneur, ô Jésus, guide-moi. Guide-moi, ô guide-moi, Seigneur, ô Jésus, guide-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, guide-moi, ô Jésus, guide-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, guide-moi, ô Jésus, guide-moi. Parle-moi, Seigneur, ô Jésus, parle-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi, parle-moi.